Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va continuer avec l'exercice 2 de l'examen national 2023, session normale pour les économies. Alors, cet exercice, ça peut être intéressant aussi pour ceux qui vont avoir un rattrapage SVT parce que je suppose que ça va être une suite qui est détachée. Détaché de la fonction, bien sûr. Alors, c'est un exercice basique et classique. On a une suite qui est définie par récurrence et par son premier terme U0. Et le but de l'exercice, c'est de trouver la limite de UN. Même si on n'a pas UN, on doit trouver l'expression du terme général UN. Comment on va faire ça? À travers une fonction, une suite qui va nous aider à trouver UN qui est VN. Voilà, donc on commence par une question simple, c'est de calculer U1 et U2. Alors, puisque on a une suite qui est définie par récurrence, alors pour calculer un terme qui est U1, on doit revenir au terme U0. Donc U1, ça veut dire si on remplace N par 0 pour que ça nous donne U1. Donc U1 est égal à 3 plus U0. On a dit que N doit être égal à 0. Donc 7 plus 3 U0. On a U0 qui est égal à 0, donc ça donne 3 plus 0 sur 7 plus 0. Donc ça donne 3 sur 7. Alors de même pour U2. Alors pour calculer U2, bien sûr, on doit revenir au terme précédent qui est U1. On va remplacer N ici par 1 pour que ça donne 2. Donc N est égal à 1. Donc 3 plus U1 sur 7 plus 3 U1. Et U1, on l'a déjà calculé, donc ça donne 3 plus 3 sur 7 sur 7 plus 3 fois 3 sur 7, donc ça donne 9 sur 7. On doit réduire en même dénominateur, ça donne 21 plus 3 sur 7 sur, on va réduire en même dénominateur, ça donne 49 plus 9 sur 7. On va faire une réduction, ça donne 24 sur 58. On peut faire une réduction si on veut. Voilà. Pour la question 2. Donc on a une suite Vn, on nous demande de calculer V0. D'accord, ça aussi c'est simple. Donc la suite Vn qu'on a, c'est Vn qui est égal à 1 moins Un sur 1 plus Un. Alors pour calculer V0, on remplace n par 0, donc ça donne 1 moins U0 sur 1 plus U0. On sait que U0 est égal à 0, donc ça donne 1 sur 1, donc c'est égal à 1. Simple. On nous demande de montrer que Vn est une suite géométrique. Alors là, en général, pour montrer qu'une suite Vn est géométrique, on doit procéder de cette façon. Donc on doit montrer que Vn plus 1 qui est égal, par exemple, à V0 fois Q. On peut dire Vn plus 1 est égal à un nombre Q fois Vn. Donc Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Ça, c'est une façon de le voir. Il y a d'autres façons, mais ça, c'est la plus simple. Donc on va commencer par exploiter Vn plus 1
Et on doit montrer que c'est égal à un nombre fois Vn qu'on a déjà ici. Très bien, donc Vn plus 1, on doit prendre cette expression-là et on place n par n plus 1. Qu'est-ce que ça va nous donner? 1 moins Un plus 1 sur 1 plus Un plus 1. Alors, c'est quoi un plus 1? Ça et ça, c'est l'expression qu'on a depuis le début. Donc, l'expression de 3 plus 7 un sur 7 plus 3 un. Donc, on va faire la substitution. Donc, ça donne 1 moins 3 plus 7 un sur 7 plus 3 un. De même pour le dénominateur. Donc, ça donne 1 plus 3 plus 7 un sur 7 plus 3 un. On va faire le nécessaire, c'est qu'on va réduire en même dénominateur. Ça, c'est juste des calculs que vous pouvez le faire. Donc, ça donne 7 plus 3 un. On multiplie ça ici. Moins. J'ai remarqué que le moins va changer le signe de l'expression ici. Donc, moins 3 moins 7 un. Ça sur 7 plus 3 un. De même, on va réduire en un dénominateur le dénominateur. Donc, ça donne 7 plus 3 un plus 3 plus 7 un sur 7 plus 3 un. Bien sûr, on va faire une réduction. Qu'est-ce que ça va donner? Donc 7 moins 3, ça donne 4. 3 un moins 7 un, ça donne moins 4 un. 7 plus 3, ça donne 10. 3 un plus 7 un, ça donne 10 un. Bien sûr, on va factoriser par 4 ici. Et on va factoriser par 10 au dénominateur. Et on remarque tout simplement que l'expression qu'on a ici, ce n'est que Vn. Donc ça va donner 4 sur 10, on peut la faire une réduction par 2, ça donne 2 sur 5. Et ça, c'est Vn. Donc, on a trouvé que Vn plus 1 est égal à 2 sur 5 Vn, ce qui peut dire que Vn est une suite qui est géométrique. Et c'est une suite géométrique de raison 2 sur 5. Donc, on va écrire cette phrase. Alors, Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 2 sur 5 et de premier terme qui est V0 qui est égal à 1. Alors voilà pour cette question. On passe. Donc la question suivante, bien sûr, c'est de trouver l'expression de Vn. Alors ça aussi, c'est juste une propriété que vous devez connaître. Donc de C. Donc lorsqu'on a une suite Vn qui est géométrique, et sa raison est Q, alors en général, le terme général de Vn, ce n'est que V0, si ça commence par V0 bien sûr, fois Q à la puissance n. Tout simplement. Alors c'est, on va dire que parce que Vn est une suite géométrique, on a sa raison de raison Q est égal à 2 sur 5, on sait la raison, et de premier terme, V0 qui est égal à 1,
Donc, ça devient simple. Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n, qui est égal. V0 est égal à 1, et Q est égal à 2 sur 5, le tout à la puissance n. C'est tout simple. Ça pour tout n appartenant à n. Très bien, on passe à la question suivante. Donc, on doit trouver l'expression de un. Ça, c'est une expression classique. C'est qu'on va commencer par là et faire le passage ici. Donc, c'est juste un passage qu'on va faire de Vn en fonction de Un, de devenir Un en fonction de Vn. Ça demande juste un peu de calcul. Donc, la question 3a. Donc, on sait que pour tout n appartenant à n, Vn qui est égal à 1 moins un sur 1 plus un. Donc, ce qu'on doit faire, nous, c'est qu'on va faire passer un de l'autre côté. On va multiplier ça ici. Donc, ça donne Vn multiplié par 1 plus un, qui est égal à 1 moins un. On va faire une distribution. Ça donne Vn plus Vn fois un. On va faire passer un de l'autre côté. Donc moins un, ça devient plus un. Donc c'est égal à 1. Donc Vn, on va la faire passer de l'autre côté. Donc ça donne Vn un plus un. Donc je vais aller doucement. Donc 1 moins Vn. On va factoriser ici par un, puisqu'on veut que un soit écrit en fonction de Vn. Donc une seule un doit exister. Alors ça donne Vn plus 1, c'est égal à 1 moins Vn. Et à la fin, puisque ça c'est une multiplication, on va, de l'autre côté, ça va devenir une division. Donc un, ça devient 1 moins Vn sur 1 plus Vn. Ça, c'est l'expression demandée tout simplement. C'est juste question de calcul. Alors, question suivante. On nous demande de trouver l'expression de un, le terme général. Bien sûr, vous pouvez remarquer que l'expression de un ici, c'est la même qui est ici, sauf que à la place de Vn, on va la remplacer par l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure. C'est très simple, donc donc question 3B. On a, comme on a vu tout à l'heure, 1 moins Vn sur 1 plus Vn. Et on sait que pour tout n appartenant à n, Vn est égal à 2 sur 5, le tout à la puissance n. Donc, un est égal à 1 moins 2 sur 5 à la puissance n sur 1 plus 2 sur 5 à la puissance n. Tout simplement. Vraiment, c'était très facile. Mais c'est un bon exercice de commencer à comprendre les suites. Très bien, la dernière question, bien sûr, c'est de trouver la limite de un en plus l'infini. Donc, question 3C. On a trouvé que un qui est égal à 1 moins 2 sur 5 à la puissance n, et 1 plus 2 sur 5 à la puissance n. Donc, d'après le cours, vous pouvez trouver la limite de cette expression. Donc, la limite en n plus l'infini, juste de 2 sur 5 à la puissance n, vous pouvez dire que c'est égal à 0. Donc, d'après le cours, puisque k 2 sur 5, il est compris entre moins 1 et 1. Lorsqu'on a un nombre qui est compris entre
moins 1 et 1. Alors la limite de a à la puissance n, c'est égal à 0. Donc ça c'est 0, ça c'est 0, d'où la limite de un est égale à 1 sur 1, donc c'est égal à 1. Voilà ça pour cet exercice, à très bientôt.